Merci d'être là. Moi, je m'appelle Carole Percy, je suis la candidate pour l'UPR, la bannière de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, créée par François Asselineau le 25 mars 2007, il y a plus de 10 ans maintenant, pour ses élections législatives 2017. Et à côté de moi, donc Jean Uzel, qui est suppléant sur la 4e circonscription. Voilà, donc nous avons une petite vidéo à vous montrer. Nous avons un plan, un déroulement de soirée qui va vous être montré à l'instant, si tu veux bien, Jean. Donc dans un premier temps, on va se présenter. Ensuite, on vous donnera à revisiter quelques définitions élémentaires dans le domaine de politique. On va se poser 5 pourquoi. Parce que qu'est-ce qui arrive en France en ce moment? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Donc ça va être intéressant de se poser les 5 pourquoi, mais pourquoi ça marche si mal. Ensuite, on vous donnera à voir une vidéo relativement courte, d'une dizaine de minutes, c'est ça? Quinzaine de minutes. Ensuite, nous vous apporterons les solutions de l'Union Populaire Républicaine qui apparaissent dans le programme pour les législatives donc du parti, du mouvement. Ensuite, on vous donnera un exemplaire sur une mise en situation avec 100 euros. Qu'est-ce qui se passe avec l'Union européenne quand on a 100 euros en poche? Et qu'est-ce qui se passe si on est libéré du carcan de l'Union européenne? On en arrivera à des conclusions. Et si vous avez des questions, on sera là pour vous répondre. Donc voilà, on va commencer cette réunion par ma présentation. Donc moi, j'ai 54 ans. Je suis une citoyenne française comme tout le monde. Je n'ai, pour ma part, jamais fait de politique auparavant. Je viens de la société civile, mais je n'ai jamais trouvé à m'encarter. J'ai jamais trouvé un programme qui me satisfaisait, donc je ne l'ai jamais fait. Et bon, j'ai 2 enfants, je viens du milieu artistique, donc vous voyez, pas très très proche des préoccupations politiques a priori. Et puis il s'est trouvé qu'il y a à peu près 1 an et demi, pour ma part ça fait pas très longtemps, j'ai rencontré les conférences que François Asselineau propose sur le net. J'ai commencé par l'histoire de France, j'ai vu également qui gouverne la France et l'Europe, la tragédie de l'euro, etc. etc. J'ai été confondue d'admiration pour les analyses, le détail des exposés, cette qualité d'apporter des éléments toujours sourcés à tout ce qu'il avance. Et j'avoue que dans un contexte aussi désastreux que le contexte social, économique, etc., que nous voyons se déployer en France en ce moment, je me suis dit, je ne peux pas rester les bras ballants en étant hébété par ce choc d'un tel constat comme je l'étais auparavant. Il faut que je me bouge, il faut que je me réveille. Et donc, j'ai décidé d'adhérer à l'Union Populaire Républicaine. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne ma présentation. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais donner la parole à Jean Uzel. Eh bien, merci, chère Carole. Donc moi, je suis Jean Uzel. J'ai 54 ans. Je vis au Boulou. Je suis responsable d'une petite entreprise de 4 salariés. Et je me suis intéressé à l'UPR par l'histoire de France d'abord. J'ai vu une conférence sur l'histoire de France. Et puis ensuite, je me suis intéressé à le politique et au parcours politique de François Asselineau. Et donc, j'ai constaté que toutes ces analyses corroboraient tout ce que je pouvais constater, moi, en tant que chef d'entreprise sur le terrain. Chef d'entreprise et en plus prestataire de services aux entreprises, dont je connais bien. J'ai bien vu pendant cette dizaine d'années la dégradation lente et certaine du tissu économique local, tant sur le plan social que sur le plan économique, que sur tout un tas d'aspects. Et donc j'ai décidé d'adhérer à l'UPR parce qu'il m'a semblé que c'était une opportunité d'avoir un candidat, d'abord parce que c'était pour les présidentielles hein, au départ, et puis d'avoir un candidat qui a l'air d'être pointu dans ce domaine, qui explique les choses, qui donne les clés de compréhension aux gens et qui apporte vraiment une nouvelle offre politique et qui rend la politique d'ailleurs intéressante puisque tout ce qu'il dit est intéressant puisqu'on apprend des choses,
vraiment d'apprendre surtout comment est gouvernée la France, notre pays, qui la gouverne, et surtout qui, comment fonctionne l'Europe et qui la gouverne aussi. Voilà. Donc je redonne la parole à Carole et bonne conférence. Merci, cher Jean Huzel. Moi, j'aime une citation à vous dire d'emblée. C'est Einstein qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le laissent faire. » Une autre citation, celle de Voltaire, « La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. » Une autre citation, celle de Paul Valéry, « La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. » Einstein encore, « Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. » C'est parlant. Une autre encore, Jean Jaurès, « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. » Encore une autre, John Adams, qui dit « Il y a deux manières de conquérir et asservir une nation, l'une se fait par les armes et l'autre par la dette. » Ces citations sont une sorte de résumé de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, même si ça a toujours été le cas, mais là c'est, on va dire, caricatural, c'est grotesque, on assiste à ça. Et on a beau le savoir, on voit bien que les gens ne réalisent pas la gravité de la situation. On passe à la suivante. Ça, c'est une affiche qui existait à l'époque, dans les années 40, lors de la Seconde Guerre mondiale. Regardez, pour une Europe en marche. On n'invente rien. Une autre affiche, toujours pareil, à la même époque, on a l'Europe en marche. Et ici, la fiche de notre président de la République, Emmanuel Macron. Je vous laisse apprécier les similitudes. Alors, je voudrais, avant qu'on passe au vif du sujet, qu'on revienne sur des termes et qu'on les précise. La démocratie, savez-vous ce que c'est ? C'est étymologiquement le démos et le kratos. Le démos, c'est le peuple, le kratos, c'est le pouvoir du peuple. Seulement, ce que les gens ne savent pas, c'est que kratos, en grec ancien, signifie le pouvoir obtenu par la force. C'est-à-dire qu'un régime démocratique ne vient pas de lui-même, il faut qu'il soit conquis. Ce qui est différent des oligarchies, des monarchies qui sont de droit divin, qui sont données par Dieu et qui ne nécessitent pas d'efforts. Elles vous sont données. Le peuple doit comprendre qu'il doit être vigilant pour conserver sa démocratie. Un député, donc, c'est celui qui représente le peuple, qui est élu lors des législatives et qui représente le peuple à l'Assemblée nationale. Une nation. C'est intéressant de redéfinir ce que c'est qu'une nation. Ça se définit par un peuple qui a décidé de vivre ensemble, qui parle une même langue, qui a des frontières communes, qui bat sa monnaie et qui décide de sa défense, de ses droits, de sa justice et de sa défense. Je vous laisse, c'est ça la définition d'une nation, je vous laisse enregistrer ces informations-là et voir où en est la France à l'heure actuelle. Les frontières sont menacées, la défense c'est celle de l'OTAN, gérée par Washington, elle ne bat plus sa monnaie, elle ne décide plus de ses inflations, donc on ne peut agir sur un rééquilibrage par rapport à la zone euro que sur l'humain, c'est l'humain qui va devoir absorber les difficultés de l'euro. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Rendre la justice, faire les lois, nous sommes complètement dépendants des articles de loi des traités européens qui fait qu'en France, et c'est Madame Reding du Luxembourg qui l'affirmait il y a à peine deux ans, devant les parlementaires français en leur disant « il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique nationale en France ». Et on va l'entendre d'ailleurs, c'était pas la peine que je le dise. Les GOPE, savez-vous ce que sont les GOPE? Les grandes orientations de politique économique. C'est ce qui gère la France sur tous les plans, économiques,
social, juridique, à tous les niveaux, la France est soumise à ces grandes orientations qui en fait ne sont pas des orientations, ce sont des directives, ou ils disent des recommandations aussi, ce ne sont pas des recommandations, ce sont des directives, parce que si vous ne les appliquez pas, vous êtes soumis à la sanction. Il faut quand même savoir que la France verse 4 milliards d'euros par an en sanctions financières par l'Union européenne. Donc l'OTAN, vous le savez, c'est les traités qui ont été signés avec les États-Unis après la guerre pour protéger de l'Atlantique Nord, pour protéger l'Europe de l'Ouest. Les délocalisations, c'est extrêmement intéressant de revenir dessus rapidement, c'est un terme qui apparaît dans le langage français en 1993. Avant, ça n'existait pas. Et pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on a la première délocalisation qui vient, de l'entreprise Hoover à Lyon, qui décide, pour faire des bénéfices, délocaliser son entreprise, je crois que c'est en Pologne, sa production en Pologne, et donc licencie tous les employés d'Hoover en France pour pouvoir faire plus de bénéfices en employant les Polonais. Donc on a cette première utilisation du mot délocalisation par l'avancée du processus européen. Avant 1993, ça n'existait pas parce qu'il y avait ce qu'on appelle le contrôle des échanges de capitaux, le contrôle des mouvements de capitaux, et il n'était pas possible dans tous les cas de délocaliser comme on en avait envie. Conseil national de la résistance, vous savez ce que c'est, donc c'est ce conseil qui a été voté en 1944, après la guerre, pour mettre tout le monde d'accord et faire repartir la France, reconstruire la France après l'hécatombe de la Seconde Guerre mondiale. On passe à autre chose ? Oui, alors le CNR, c'est aussi un rassemblement de toutes sortes, de tous les horizons, en fait, parce que le général de Gaulle, l'initiative, avait fait ça avec Jean Moulin, c'est ça. Et donc ça comprenait des communistes, des gens d'extrême droite, ça a passé au-dessus de tous les clivages, et tout le monde s'était regroupé dans ce Conseil national de la résistance pour sortir la France de un consensus et sortir la France de cette situation. Merci. Et quand on défend les valeurs françaises, on n'est pas forcément d'extrême droite, bien au contraire, parce que nous ne sommes pas des nationalistes, mais nous sommes des nationaux. Il n'y a pas de honte à être national dès l'instant qu'on prône des valeurs qui sont tout simplement issues du bon sens. Seulement en France, ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs sont captées par le Front National et l'extrême droite, est mélangé à des valeurs qui sont beaucoup moins reluisantes, comme des valeurs de communautarisme ou des valeurs négatives sur l'immigration, et ce qui fait que les gens, dans leur tête, ils font une sorte d'amalgame, et toutes ces bonnes idées sont sans cesse pourries par des discours xénophobes et inacceptables. Voilà pourquoi c'est très compliqué aujourd'hui de faire de la politique en France et de parler de façon simple. Donc plusieurs pourquoi. Pourquoi la France est dans cette situation ? Pourquoi n'y a-t-il plus de droite et de gauche en France ? Pourquoi la France a perdu sa souveraineté ? Pourquoi des traités contre nos intérêts nationaux ont été signés par nos gouvernements ? Pourquoi la désindustrialisation de la France ? Et j'en profite pour vous faire cette citation. La France est un pays qui adore changer de gouvernement à condition que ce soit toujours le même. Honoré de Balzac. Et c'est à se demander pour quelles raisons, alors que pour moi ça me paraît évident qu'aujourd'hui il n'y a plus de politique en France, quel que soit l'individu, le mouvement qu'on soutient en France au niveau des présidentielles et après, on a systématiquement la même politique, c'est visible quand même. Et bien les Français ont l'impression que même s'ils le voient, ça va changer par soi-même, sans rien faire. C'est une aberration. Il faut que le peuple se réveille. Ah, il y a une citation de Coluche qui est très bien aussi, c'est « Quand les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres, c'est à ce moment-là qu'il y a les crises », c'est ça ? Voilà.
Donc maintenant, on va vous montrer une vidéo que peut-être, vous, sans doute, vous n'avez pas vue. En tout cas, beaucoup de gens ne l'ont pas vue. Je vous souhaite un bon moment en regardant ça, bien que je sois désolée de vous faire connaître les détails de cette catastrophe qui arrive en France. L'histoire de France, c'est l'histoire d'un peuple qui se voulait libre et qui, soudain, a ouvert ses frontières, changé sa monnaie, laissé à d'autres son budget, effacé ses référendums, fait voter presque toutes ses lois en dehors de son territoire, rejeté son drapeau et puis... Pour un pays fier de sa culture, il a voté la loi Fioraso, qui va faire disparaître sa langue. Il a laissé son éducation nationale sombrer, ses acquis sociaux se détériorer et son économie partir en fumée. C'est pas une paille. Donc je vous emmène à la rencontre d'une France qui aura tenté l'aventure de l'Union européenne, mais à savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est ce que nous allons voir ensemble. La communauté économique européenne est créée. Son but est un rapprochement économique qui permet la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre les pays membres. Il est vrai que dans cette Europe, intégrée, comme on dit, ben, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. La France perd tout d'un coup les moyens de sa souveraineté et qu'elle va se soumettre dans sa vie quotidienne, démocratique, dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser, à une domination étrangère. Ce serait alors vraiment comme si on avait perdu une guerre. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. La construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Les journaux de Copenhague ont ce matin des titres de crise nationale. La réponse du Danemark à l'Europe, non. Un nom d'horreur qui secoue les marchés financiers. Les dirigeants européens ont réussi à trouver les voies du compromis au sommet d'Édimbourg en offrant une porte de sortie aux Danois qui vont pouvoir revoter au printemps prochain. Les Irlandais étaient les seuls parmi les 15 à recourir au référendum pour ratifier le traité de Nice. Mais ils ont choisi de ne pas le ratifier. On parle maintenant d'un arrangement qui consisterait à organiser un deuxième référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine. L'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Intimement liés. Maintenant, l'enjeu est de remettre de la politique en Europe. De ne plus abandonner l'Europe. On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Il remplace donc la constitution repoussée il y a 2 ans et demi par référendum. Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la constitution européenne. Aujourd'hui on a manifesté au Portugal et en France. Ceux qui avaient dit non, à droite comme à gauche, sont furieux. C'est une forfaiture, c'est une traîtrise, c'est une... Bien évidemment, M. Sarkozy a trompé le peuple français. Il a parlé d'un mini-traité, une petite souris qui passerait par un petit trou. C'est en réalité l'intégralité de la Constitution européenne. Le fond de l'affaire, c'est que la démocratie est bafouée. 54,4%. C'est le pourcentage du non des Irlandais au traité européen de Lisbonne, un non qui s'est exprimé par référendum. Le Premier ministre Brian Cowen n'avait pas le choix. La pression de Bruxelles était énorme. Les Irlandais auront droit à un deuxième référendum d'ici fin octobre 2009. Que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non? Eh bien, on leur repose leur question une troisième fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut
faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi, je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. Nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Nous n'avons plus aucun pouvoir d'État. Nous n'avons plus le pouvoir, comme le dit, de battre monnaie, de faire les lois, de rendre la justice ou de décider de la paix et de la guerre. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. C'est ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers, car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Loisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on soit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent « Mais où est le programme ?» Je leur dis « Mais il n'y en a pas, et pour cause, c'est un enjeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie, et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision qui ne sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous voulez monter à 10-15%, et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. C'est le premier sommet du président français. Comme il l'a promis durant sa campagne, François Hollande est venu réclamer un pacte de croissance pour l'Europe. Mais la tâche peut s'avérer difficile. Un président français peut-il encore imposer ses vues au Conseil européen? Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. J'oublie, non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui va remettre en cause ce que vous appelez « the famous CDI ». La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. Devant les journalistes européens, François Hollande reste droit dans ses convictions. Ont été courageusement menés à bien. Ce serait une concession, en quelque sorte, de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français, entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles que tout le monde, dont personne ne peut entendre. Avez-vous senti ce soir une compréhension de la part de vos homologues européens à ce propos? Ou est-ce que vous vous sentez de représenter un peu le mauvais élève de l'Europe dans la matière? Non, nous sommes le bon élève. Nous faisons au rythme prévu par nos engagements européens.
dont nous sommes bien sur un effort structurel et nous tenons nos engagements, mais nous faisons en sorte que cet effort ne contredise pas l'objectif de croissance. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, bah, bon, bah, d'accord, allez, on t'accorde ça, ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, bah, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. Quelques mois plus tard, les craintes de François Hollande se confirment. La France ne fera pas de croissance et elle va même briser la règle d'or en dépassant les 3% d'endettement. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande à sa membre de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut mettre en place des mécanismes de sanctions financières. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. Alors qu'il commence son 6e Conseil européen, le président français est donc loin d'avoir atteint son objectif. Pire, lui qui voulait peser sur l'Europe pourrait subir les foudres de Bruxelles pour un déficit trop important. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Philipponnet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Philipponnet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés, et notamment leur durée, pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Vous savez ce que c'est? Au bout du compte, ça revient, pour schématiser, à donner à ce que les États abdiquent devant des tribunaux leur souveraineté face à des grandes entreprises, des grands conglomérats financiers et industriels, qui pourront attaquer les États parce qu'ils auront mené des politiques qui ne seront pas conformes à leur légitime attente de ce qu'attendent les... Enfin, où allons-nous? On parlait de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée. Le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et au sens moral du terme, en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Si, comme en 1936, on avait une élection qui s'était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Ben là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. Hein. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse, parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France. Ce soir, avec ce non sorti des urnes, la Grèce impose à la zone euro un saut dans l'inconnu. Fort de sa victoire, le Premier ministre Alexis Tsipras va tenter cette semaine de peser sur les Européens. Est-ce que la Grèce doit sortir de la zone euro? Je crois qu'elle n'a pas d'autre solution. Car d'une part, les gouvernements européens et le Fonds monétaire lui prêtent de l'argent, mais assorti de conditions. C'est-à-dire pratiquer une politique d'austérité et de réduction des déficits publics. Alors cette politique d'austérité va conduire à ralentir la croissance grecque encore davantage. Et quand la croissance se ralentit,
les recettes fiscales diminuent et les demandes de subventions et de dépenses sociales augmentent, ce qui creuse les déficits. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on l'a dit, nous avons une nouvelle série de mesures d'austérité. Mais ça fait 40 ans qu'ils essayent de détruire la France, qu'ils essayent de détruire l'Italie, qu'ils essayent de détruire l'Espagne pour construire ce mythe de la nation européenne. C'est l'URSS, votre truc. Laissez les gens décider de ce qu'ils veulent. Le Royaume-Uni a donc fait le choix de quitter l'Union européenne. J'avais un grand-père. Quand j'étais un petit, dans les années 65-66, il m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » Parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun de tout du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à deux vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Bon, bien, et bien voilà, c'est une démonstration édifiante de la catastrophe dans laquelle la France est désormais engagée. La France est un des pays contributeurs nets des pays européens, c'est-à-dire qu'elle verse en moyenne 23 milliards d'euros par an à l'Union européenne, qui lui en restitue 14, elle en perd 9 au passage. Donc nous sommes totalement défavorisés dans cette entreprise. On n'a aucun avantage à y rester. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple français est en train d'y perdre toutes ses valeurs. Et nous avons aujourd'hui la certitude qu'après des analyses aussi fiables que celles qui nous sont montrées, pas seulement par François Asselineau, hein, qui nous sont montrées de part et d'autre, au niveau des journalistes, de certains journalistes économistes, ou comme Vincent Brousseau, comme Jacques Sapir, qui nous montre à quel point, ou Miret Zaki, qui a très très bien expliqué comment la Grèce avait été pillée, en fait, nous savons tout exactement sur ce stratagème des chaînes qui enchaînent les pays. Comme s'ils s'étaient enchaînés eux-mêmes, en fait, c'est une sorte de stratégie de guerre. Nous avons tous les arguments maintenant pour savoir qu'il faut absolument en sortir, et le peuple français ne se rend pas compte de cette évidence. Donc moi, je suis là, citoyenne, comme vous tous, et j'ai pris le taureau par les cornes, et je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Voilà. Donc voilà ce qui va arriver: augmentation de la TVA, diminution du nombre de fonctionnaires, baisse des dépenses publiques et politiques d'austérité, ça va être une catastrophe. Déréglementation et ubérisation de nouvelles professions, alors les professions privilégiées comme les autres, hein, ce sera exactement la même chose. Privatisation progressive de la sécurité sociale et de la santé, privatisation progressive de l'ensemble des services publics, diminution des impôts sur les sociétés les plus riches et l'ISF. Le SMIC ne sera pas ou peu augmenté, gel des retraites, première mesure pour supprimer le CDI. Les actionnaires et les plus riches gagneront davantage. Soutien au développement des eurorégions. Il faut quand même savoir que le territoire français, par rapport à ses contours frontaliers, est déjà remis en question par les projets des eurorégions. Ici, par exemple, nous sommes déjà en Catalunya Norte, qui intègre une partie de l'Espagne et une partie de la France. Au niveau du Piémont italien, c'est déjà en route, au Pays Basque aussi. Ce sont des régions qui intègrent des zones
qui appartiennent à deux pays différents. Où j'en étais. Nouvelles guerres illégales et néocoloniales sous la tutelle de l'OTAN, augmentation des tensions avec la Russie et la Chine, ce qui ne va absolument pas dans le sens de nos intérêts, nouveaux attentats et diminution des libertés publiques, sortie possible de pays de l'Union européenne comme l'Italie. Alors là, on est dans l'expectative, hein, on ne sait pas comment les choses vont avancer, mais de toute façon, nous savons que l'euro va exploser. Quand ? Ça, c'est la grande question. Aggravation du solde Target 2 et explosion possible de l'euro, c'est ce que je vous disais. La Grande-Bretagne se portera mieux avec la sortie de l'Union européenne parce qu'il ne faut surtout pas écouter la propagande qui vous dit que c'est une catastrophe pour l'Union, pour le Royaume-Uni. C'est tout le contraire. Au contraire, le Royaume-Uni a très bien fait de sortir de l'Europe parce que les investisseurs se ruent aux portes de ce pays parce qu'ils savent que désormais ce pays a retrouvé une monnaie stable et forte. La suite Alors c'est vrai que c'était noté, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Ça c'est une carte des médias français. Qui possède quoi? Et vous vous apercevez qu'il y a à peine une centaine de familles qui possèdent tous les médias en France. Et vous voyez, enfin vous voyez peut-être pas, mais sur la droite, il y a l'indépendant qui appartient à la famille Bailey, qui est un de nos ministres, et qui a racheté la Dépêche du Midi le Midi Libre. Voilà. Donc comment voulez-vous que, dans notre région, nous ayons une presse qui soit libre, puisqu'elle appartient à un de nos ministres, européiste évidemment. Alors les voilà, ben c'est toujours les mêmes, hein, Bolloré, Lagardère, Dassault. Faut quand même savoir que les éditions Hachette et Nathan appartiennent toutes à un armateur, Monsieur Dassault. Et il paraît que les programmes des scolaires sont tous tournés autour de la guerre. C'est une horreur. Il n'y a pas de mots pour le dire. Bon, on passe, hein. Alors, l'Union populaire républicaine, donc c'est un mouvement citoyen de rassemblement national qui a été créé il y a 10 ans. En avez-vous entendu parler? Quasiment pas. Alors que lors des élections régionales, il y a eu plus de 380 000 électeurs, ce qui donne tout de même une porte de visibilité à un tel mouvement. Ça n'a jamais été le cas. Donc François Asselineau, qui a une expérience de plus de 35 ans comme haut fonctionnaire de l'État, ancien délégué à l'intelligence économique, l'IGF, reconnu pour ses capacités de prospective, s'est fait mettre au placard après avoir pondu un rapport sur le fait que l'euro allait exploser de toute façon. Et Sarkozy, ben voilà, n'ayant pas voulu recevoir ses analyses, puisqu'elles n'allaient pas dans le sens de la construction européenne et du fait de continuer ce démantèlement qu'il était là pour opérer, il l'a mis au placard. Et donc François Asselineau s'est retrouvé sans aucun relais. Mouvement de rassemblement inspiré du Conseil national de la résistance, classé divers au-dessus du clivage droite-gauche par le ministère de l'Intérieur, ayant pour emblème, pour symbole, le rameau d'olivier, qui est une symbolique qui recouvre des tas de concepts. Le silence total des médias durant 10 ans, je vous en ai montré le pourquoi. Analyse validée par les événements, c'est-à-dire que ce qui est fort intéressant avec François Asselineau, c'est que tout ce qu'il dit s'est avéré vrai et il n'a jamais changé d'un iota sa position, c'est-à-dire que le programme de 2012 qu'il avait présenté aux élections, pour les présidentielles, mais il n'a pas eu les 500 signatures, est exactement le même que celui, à peu près, que celui qui l'a présenté en 2017. C'est quelqu'un qui est d'une stabilité dans ses analyses et dans son fonctionnement que ça m'encourage à avoir confiance, parce que c'est pas quelqu'un qui change d'avis comme de chemise comme la plupart des autres mouvements. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 28 000 adhérents, à peu près 250 adhérents par jour. Donc il y a une vraie prise de conscience en France, mais elle est un petit peu comme serait une lame de fond, on ne la voit pas encore vraiment.
premier site politique français pour les internautes, le seul à vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN de façon claire, nette et précise, sans louvoyer en passant par des plans A, des plans B, et pourquoi pas des plans T. Plus de 332 000 votants au premier tour des élections présidentielles de 2007, c'est un pourcentage qui nous... 2017, pardon, qui nous a déçus, puisqu'on espérait quand même un peu plus, mais c'est quand même le double de ce qui avait été, ce qu'avait été le chiffre des élections régionales, voilà, de 2015. Alors, ben pourquoi sortir de l'euro, de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN? Eh bien, tout simplement pour retrouver notre souveraineté nationale, c'est quand même un minimum. Notre démocratie, notre vie politique, économique, sociale, diplomatique, militaire et monétaire, ce serait quand même des arguments qui seraient les premiers à faire valoir si nous étions, nous, à la place d'un dirigeant qui voudrait diriger un pays convenablement, non ? Ensuite, une dévaluation certes de 5 à 10% envisagée par Natixis ou Respublica qui sont des agences économiques, et ce qui serait un bien pour le pays, pour les gens qui ne sont pas connaisseurs en économie comme moi, jouer sur l'inflation, c'est une vraie chance pour un peuple, parce qu'au lieu de jouer sur des taxes douanières ou sur la baisse des salaires ou du niveau de vie du peuple, on joue sur la dévaluation de la monnaie, ce qui fait que ça relance l'économie. En fait, c'est une façon de relancer l'économie, et c'est donc un bienfait, et c'est ce que viennent de faire les Britanniques après être sortis de l'Union européenne. Une baisse du chômage, ben oui, parce que François Asselineau prévoyait quelque chose comme c'était quoi, de 2 millions de chômeurs en moins de catégorie A après, à la fin de son quinquennat. Donc, et tout ça, c'est chiffré, enfin, ce ne sont pas des paroles en l'air. Une augmentation des exportations, ben oui, fatalement, parce que si le nouveau franc est dévalué, ben forcément, ça fait des prix beaucoup plus avantageux pour l'exportation. Une économie de 76 milliards d'euros qui s'explique par l'arrêt du gaspillage que nous donnons à l'Union européenne. Une récupération sur l'évasion fiscale d'à peu près 20 milliards d'euros. Et tout ça, ça fait quand même déjà une coquette somme. Voilà, etc., etc. Alors, au niveau des inconvénients, en voyez-vous? Eh bien, nous, enfin, moi, je parle en mon nom, personnellement, on n'en voit pas, on ne voit que des avantages. Ce que je veux vous dire, c'est que l'argument essentiel, primordial, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce que si nous ne sortons pas de l'Union européenne, de toute façon, il faut le savoir, ne soyons pas dans le déni de cette situation, nous serons contraints d'exécuter sous peine de sanctions les grandes orientations de politique économique imposées par la Commission européenne, qu'on soit bien clair. Donc voilà, on en est là. Les 12 principales mesures qui nécessitent presque toute la sortie de l'euro, de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN, comme je venais de vous le dire, sont les suivantes. Eh bien, un coup d'arrêt décisif aux délocalisations, puisque voilà, c'est les conséquences directes, et un coup d'arrêt à la destruction de notre industrie, le renouveau de la pêche artisanale et de l'agriculture familiale, la relance des services publics, je ne les citerai pas tous. La préservation de nos retraites, de nos acquis sociaux et de la sécurité sociale publique pour tous, des économies de 76 milliards d'euros, dont là il y a les détails, mais c'est parce qu'il y a des. Il faudrait que vous vous intéressiez en allant sur upr.fr au programme des législatives. Du mouvement, et vous verriez, tout est détaillé, le nombre d'élus que le mouvement a décidé de supprimer pour faire des économies considérables, des élus qui ne sont pas nécessaires,
revenir sur des conseillers régionaux, départementaux qui font ce millefeuille administratif français qui est juste ingérable et qui coûte des fortunes. La lutte contre la fraude fiscale, je vous en ai parlé. Il faut quand même savoir qu'il y a 80 milliards d'euros qui ne sont pas payés à la France par an parce qu'ils partent dans les paradis fiscaux. François Asselineau disait qu'il comptait, dans un premier temps, récupérer 20 milliards. Ce serait déjà ça. La baisse effective du chômage de masse grâce à la sortie de l'Union européenne, à l'abandon de l'euro et à une relance économique s'appuyant sur une hausse du SMIC de 1153 euros à 1300 euros net par mois avec baisse des cotisations pour les PME. Une politique cohérente et efficace de protection de l'environnement. Il y a un grand développé sur la question de l'environnement dans le programme qui est fort intéressant pour redynamiser l'agriculture de type familial. Nous associerons les Français aux grandes décisions en matière de politique énergétique, en particulier au moyen d'un référendum sur le nucléaire. Dans le programme, il est prévu un référendum sur trois sujets majeurs, la dette, l'immigration et l'énergie. Et il est prévu que ce soit le peuple, après avoir reçu un mois d'informations par télévision, radio interposée, il est prévu que le peuple se décide pour savoir ce qui se passera sur ces trois sujets sur le territoire français. La garantie de la santé pour tous et des mesures fortes en faveur des personnes en situation de handicap. Et pour finir, le retour à l'école républicaine et à ses exigences, une meilleure éducation entre l'enseignement et les métiers de l'agriculture, parce qu'il faut savoir par exemple qu'en France, il paraît qu'il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus dans le domaine agricole, faute de cohérence entre la chambre des métiers et le monde des professionnels de l'agriculture. C'est juste une aberration, quoi. Donc il faut remettre un peu de logique là-dedans. Donc les métiers du commerce, de l'artisanat et une revalorisation de l'apprentissage. Ah, j'ai pas fini. Ah, il n'y a plus de batterie. Donc ensuite, il s'agissait de parler de la culture. Il est prévu que TF1 soit renationalisé de façon à ce qu'il y ait une chaîne publique, comme ça se passe d'ailleurs au Royaume-Uni et au Japon, que la première chaîne la plus visitée par les Français soit une chaîne avec une charte qui soit respectée, parce qu'à l'heure actuelle, TF1 est devenu privé, et la charte qui allait avec n'a jamais été respectée par les groupes qui ont racheté TF1. Et voilà, donc je vous invite à aller voir le programme de François Asselineau qui est édifiant de points positifs, tous fondés sur le Conseil national de la résistance de 1944. Donc c'est plutôt à l'avantage du peuple français dans son ensemble. Donc voilà, moi je me présente donc dans cette quatrième circonscription. Je vous invite à voter pour moi, à nous rejoindre, à considérer que ce qui est développé au sein de l'UPR est issu d'un raisonnement extrêmement pointu, sourcé, qui tire la réflexion vers le haut, qui parle à notre intelligence. Donc quand je fais la comparaison avec ce que proposent les autres candidats, mais c'est édifiant à quel point on sait le jour et la nuit. Donc voilà, je fais ma promotion certes, mais je pense que j'ai quand même ça repose sur des arguments qui sont de l'ordre du bon sens, quoi. Je lis le programme et je me rends compte que le peuple français aurait tout intérêt à défendre ses arguments. Voilà. Alors je vous remercie pour... Voilà, je vais laisser la parole à Jean Uzel, mon suppléant. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Votez bien, votez en conscience, votez selon vos convictions et ne votez pas utile, ça sert à rien. Les présidentielles nous l'ont démontré. Voilà, merci de votre attention et je passe la parole à Jean. Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, même c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du programme de François Asselineau, maintenant c'est un petit peu dans le cadre législatif obsolète, puisqu'on n'aura pas la possibilité de retourner la vapeur et de revenir à un programme tel qu'il l'avait énoncé. Cela dit, on peut espérer avoir quelques députés, on peut espérer
influencer la politique qui sera menée. On peut espérer lancer des contractions, proposer des lois, et pourquoi pas, si y a un nombre de députés suffisant, lancer une réflexion, mais surtout au-delà de 85 députés, on peut un référendum parlementaire. Voilà, je trouve pas mes mots. Voilà, donc c'est surtout le contre-pouvoir que l'UPR peut représenter au niveau législatif qu'il faut avoir en tête, et donc il faut, comme l'a dit Carole, voter pour ses convictions, parce que c'est le début de la mise en place d'un contre-pouvoir, et voilà, donc il faut vraiment voter pour ce qu'on croit bon, et c'est au niveau de l'Assemblée nationale que ça aura une influence, petite peut-être, mais il faut commencer comme ça. Merci Jean d'avoir rajouté ça, et je rajoute une dernière chose avant de terminer la réunion. Effectivement, s'il y a 85 députés à l'Assemblée nationale qui se mettent d'accord sur un sujet, ils peuvent créer ce qu'on appelle un référendum parlementaire. Donc ce serait intéressant donc, d'avoir des députés qui soient dans l'opposition. Deuxième chose, l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, créée par François Asselineau, n'a jamais reçu de subvention, 0 € de subvention. Si nous arrivons lors de ces élections législatives à obtenir 50 candidats qui auraient reçu 1% des électeurs de sa circonscription, à ce moment-là, au-dessus de 50 candidats, nous avons droit à des subventions qui sont de l'ordre d'1,40 € par électeur, ce qui fait quand même une coquette somme. Nous sommes un mouvement qui est méritant, puisque nous partons de rien avec aucune aide médiatique. Donc voilà, c'est un argument de plus pour soutenir des petits candidats, enfin des grands candidats qui ne sont pas médiatisés, excusez-moi, et de voter pour moi. Voilà, donc bonne soirée à tous et merci de votre attention.